président de la République, là, Jovenel Moïse, a commencé la consultation sur le choix prochain premier ministre PIA. Chef l'État, Chita Palé, m'a dit 17 juillet, à président de branche parlement, sous choix nouveau premier ministre. Personnalité qui doit venir prochain premier ministre PIA doit avoir capacité pour rassembler et affronter la réalité PIA. C'est recommandation ancien premier ministre Evan Paul. Sous initiative groupe croissance avec réseau journaliste économique pour un développement durable, deux journées d'information organisées dans l'intérêt journaliste différents médias, sous façon de doit comprendre le budget république là. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le journal Mi-temps journée sur télévision nationale d'Haïti. Pour nous démarrer le journal là, on a recevoir collaborateur non Wilner Polidor pour conditions météorologiques là, n'a quitté suivre. Mercredi 18 juillet 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour prévision météorologique là, en allant comment la situation est sous le pays d'Haïti. Gagne une zone de haute pression qui trouve les sous Atlantique Nord, qui toujours a influencé les conditions météorologiques sous la région Caraïbe là, et la zone de haute pression ça a vraiment influencé les conditions météorologiques là et a provoqué un temps qui venteux sous le pays avec soleil au cours de journée et vent ça a soufflé très fort avec des rafales surtout sous département de l'Ouest. Mais en soirée ou au cours de nuit, il y a une possibilité pour gagner quelques averses isolées. Les averses sont isolées sous plusieurs départements, non seulement par rapport avec réchauffement pendant la journée, mais aussi brise de mer qui a porté humidité sous département Sahara. Le nord-est a concerné par activité de la vie Sahara, mais aussi le centre et l'Artibonite, département de l'Ouest, capable de gagner quelques averses à pluie, mais aussi avec les NIP. Pour la capitale avec zone qui environne, c'est une capitale qui a vu de beau temps en journée avec vent qui a venté sous capitale là et puis avec soleil au cours de journée. Température a fait très chaud aujourd'hui, hein, jusqu'à 36 degrés pour journée, hein, mais la nuit là c'est 24 degrés Celsius, il ne peut pas descendre trop bas et la fait très chaud, on a senti effet de chaleur sous capitale là. Sauf que il y a une possibilité pour gagner quelques tirs avec isolés au sud de capitale là, mais sous quelques quartiers, c'est pas tout quartier qui a procédé par activité la pluie, ça y est. La mer a agité non seulement sous côte nord et côte sud pays d'Haïti, capitaine, on a une petite précaution là pour entrer dans le fond, là, mais pas trop de soucis pour nous naviguer, seulement nous capables de gagner gros vent sur la mer capable d'empêcher nous aller dans le fond la mer et pour pas juste sur le micro sur la couche aujourd'hui à 7h29 et la levée demain matin à 6h22. Mesdames, Messieurs, merci pour fidéliser nous avec attention. Nous n'a croisé demain pour notre page météorologique. C'était Wilner Polidor pour page météorologique là. Merci Wilner et bon après-midi. Jean t'a annoncé nanti, un président République là, Jovenel Moïse, rencontré mardi 17 juillet dans le Palais National, président des branches parlement, dans le cadre de consultation sous choix nouveau premier ministre PIA, Jean-Maman Loi PIA, mandé ça. Lundi, chef l'État a été chita à parler avec représentant secteur vaudois, dans le cadre de dialogue la fait avec différents acteurs dans la vie nationale là. Rencontre ça permet chef l'État à prendre opinion secteur vaudois sous situation PIA avec façon pour mettre campé nouveau gouvernement. Sous choix un nouveau premier ministre Evans Paul rete quoi monde qui ta capable remplacer docteur Jacques Guy Lafontaine en poste si là doit gain capacité pour rassembler et puis affronter tout réalité pays a. Ancien premier ministre Evans Paul continue pour le conseiller parlementaire gain moins influence sous décision yo prend compte des réalités qui gagnent dans population an, en fonction des choix monde qui pral prend poste premier ministre là. N'a qui tout suivre un extrait dans déclaration. On a un droit d'être au président, il a un droit en face président. Faut son monde qui a connecté avec la réalité, faut son monde qui a un dépassement, faut son monde qui n'a pas affronter la réalité, faut son monde qui est capable de provoquer débat dans le conseil de gouvernement, dans le conseil des ministres, parce que très souvent, les ministres perdent leur opinion. Bon monde qui compte plus peut parler dans le pays, c'est le monde qui est ministre. Parce que mon nom ministre, il va avoir une opinion pour le président fâché, pour le premier ministre fâché. Il y a des fois, il y a des données, il ne peut pas donner, parce que le chef de la catégorie opinion, il va bon, ah, le chef, on mélange pour cela. Je pense que, il y a un monde qui est ministre, il y a un monde qui est premier ministre, il ne faut pas peut-être lui pour un job. Il faut le considérer comme un missionnaire. Et il faut que ce monde qui gagne en pile courage
le courage pour nous affronter la réalité, le courage pour nous discuter de vérité. Ou par exemple, question prix et gaz, là, j'en fait l'autre jour. Moi, je crois que la grande majorité des ministres pas d'accord. Mais peut-être que tout est rallié à la décision dans le Conseil des ministres sans faire débat. Soutamment de 1 minute de ça qui est passé dans le Conseil des ministres côté prendre décision, hein, ou capable pas grand pile ministre qui débat en position contraire, mais si vous parlez avec eux en privé, au cas où il était pas bon. Je pense que le courage de décider son monde pas gagné ou pas prendre job ni premier ministre ni président ni ministre. Fort parlement t'a transcendé pour parlementaire yo moins influencer décision yo non logique de consolidation personnelle. Moi-même, moi connais situation difficile parlementaire parce que les mon parlementaire jodia et faut l'occuper de fantôme de voir ti moun l'école pression sous lui à cause de pression ça yo l'a fait pression trois droite à gauche pour lui joindre de quoi pour lui répondre à exigence moun ki voye l nan parlement a fait. Il y a moun ki dit c'est bagaille personnel, bon gen droit gen bagaille personnel tout, mais jodia prend responsabilité pour venir parlementaire, pour venir magistrat, son coquin responsabilité. Sou pa ka met garçon sou peur, vivre pression, eh bien, ou pas prendre job sa yo. Maintenant, comment faire face à la situation? Ça, parce que justement, l'op fait politique, c'est pour faire face à des problèmes de société. Faut parlement arriver à bah, tête li une meilleure image dans la société. Ya. Et meilleure image, ça, l'op existe en fonction de comment yo choisi moun qui pral nan pouvoir. Parce que très souvent, le président est obligé de consulter yo, yo influencé des choix qui konchita sur simple relation personnelle et yo kon négliger le côté notable. Ça moi les notables là, ou besoin moun ki gen notoriété. Fò lon moun ministre lèl parle, li gon passé, li gon écho, li genyen une certaine influence dans la société qui a fait le poton bagaille comme image. Nous avons besoin d'un gouvernement d'image. Et c'est très important pour que vous ne choisissiez pas les gens parce que seulement nous avons une relation de proximité avec les gens qui ont pouvoir mettre le poste là, mais pour les gens capacité et le bénéficier de certain respect. Et dans le pays, il n'y a pas de monde qui fait unanimité, mais il y a des gens qui sont capables de porter plus par rapport à ça qu'ils représentent dans la société. Voilà, on va suivre la déclaration ancien Premier ministre Evans Paul sous choix nouveau Premier ministre là, pendant qu'il a participé dans l'émission Mise au point. Organisation PEP Caplité, ben, président public là, yon proposition pour sortir dans crise pays a fait face. Yon proposition qui chita sous nécessité pour remplir vide institutionnel qui gagne, qui donc nommé plus vite possible yon nouveau gouvernement. N'a quitté suivre yon extrait. À l'occasion de interpellation qui transformée en remise de démission de Premier ministre et vide qui créé, hein, nous pensons à une sortie de crise en deux temps. Dans le premier temps, c'est pour donc combler vide là. Donc, pour combler vide là, un chef de l'État doit prendre les dispositions en concertation avec différentes forces politiques et forces sociales pour mettre un gouvernement. Un gouvernement qui est capable de faire consensus, mais un gouvernement de monde, femmes, garçons, qui est capable assurer responsabilité que vous gagnez jour et jour, hein, pour garantir stabilité dans le pays, hein, pour bailler l'espoir que demain à meilleur, qui gagne une même direction, une même ligne, savoir comme feuille de route. Mettez au travail en essayant par tous les moyens de réduire le train de vie de l'État. Le gouvernement, ça lui doit monter sous la base de une vision, un programme qui visait à 1. Garantie stabilité, eh bien, non, fait quelques réformes dans l'État et des réformes qui, à terme, doivent mener nous à un autre mode de gouvernance. Une gouvernance qui n'est pas personnalisée, qui est fixée sur un monde. Une gouvernance qui, c'est une gouvernance qui s'est à sous rendre compte. Une fois qu'on a une responsabilité, on a le devoir de rendre compte. Un gouvernement qui s'est à, premièrement et avant tout, sous respect de la loi. C'est d'abord responsable et autorité qui gagne un devoir pour faire appliquer la loi, mais pour respecter la loi. Donc, un gouvernement qui compte impunité, un gouvernement qui travaille contre impunité. La corruption, c'est une gangrène, c'est un danger. Et tant que l'on ne peut pas combattre,
l'a conduit nous en situation côté que ressources type tout petit l'état gagnant et bien il passé à l'homme quelques grains de monde et puis qu'on est là nous pas joindre suffisamment pour nous capable répondre à besoins fondamentaux en santé, en éducation, en logement, c'est-à-dire une façon pour améliorer les conditions de la vie. Toujours sous choix nouveau premier ministre là député circonscription Gangouavla qui c'est une député interpellateur Jean-Marcel Luméran invité président République là Jovenel Moïse prend disposition pour choisir un premier ministre Jean Constitution pays a mandé ça député Luméran conseiller chef l'État chita parler à tout secteur dans l'idée pour mettre en place un gouvernement ouvert. L'État prend une question dans micro Hertelo. Le fait est certain que Premier ministre Jacques Lafontaine, c'est du passé. Comme c'est du passé, il revient maintenant au président de la République que constitution bail autorité, bail pouvoir pour nommer premier ministre lui, il gagne pour consulter seulement les deux présidents des deux assemblées parlementaires, président Joseph Lambert du Sénat, président Gary Boudot, consultation pour dire mais moun li gagne. Ça c'est mission pas président. Nous autres comme députés nous entendons déjà parmi les 16 nous entendons que en aucun cas nous ne pourrons pas participer dans la discussion dans le processus qui a conduit à la formation du prochain gouvernement. Nous sommes des députés issus de différents partis qui étaient à parti côté de Sotillo dans le cadre d'un gouvernement élargi, un gouvernement d'ouverture, c'est parti qui nous représentait, vous voulez collaborer avec le président, vous voulez intégrer, vous voulez intégrer. Mais nous autres, nous baillons tête, nous, mission, pour nous prendre recul par rapport à tout le monde qui va faire partie du prochain gouvernement. Député Alfredo Antoine Coué, président Jovenel Moïse, doit rencontrer tout secteur dans la classe politique là pour mettre sous pied un gouvernement ouvert qui prend en charge revendication populaire. Parlementaire a profité, rappeler collègue Lio, Wolio, c'est contrôler action gouvernement. N'a plutôt suivi un extrait Alfredo Antoine dans le micro Hertelo Marie Dieudonne. Constitution a dit président capable de consulter deux présidents chamio, mais c'est là que n'y pas grand majorité parce que pas au niveau parlement pas grand parti vraiment qui majoritaire. La figure, ça, oui. Donc si pas grand parti qui majoritaire ou obligé à consulter les deux présidents des deux chambres pour autour de nom pour dire que y a tel monde est-ce que y a tel nom que d'ailleurs pour ouais au niveau configuration politique parlement si tel non ça a bien recevoir est-ce qu'il pourra le passer. Moi connais que rôle pas comme législateur mais là pour me contrôler l'action gouvernementale et moi pas là pour que m'a proposé de monde qui pourrait aller comme ministre et même si c'était Kid qui était majoritaire ou qui était au pouvoir donc qui nous t'a jouer rôle nous comme législateur. Vous voyez donc même pour que président, et si on appelle, c'est peut-être qu'un moment pour me lancer un appel à l'endroit du président de la République, là, pour que l'IFE ait un gouvernement qui reflétait, un gouvernement d'ouverture, pour ouvrir la main à la classe politique. Là. Pas aucun monde qui est capable de diriger, pas aucun, pour, aucun président qui a prétendu qu'il a dirigé pays ça pour contre avec parti politique ou bien avec petit groupe Zamil. Et votre serviteur, député Alfredo Antoine de Kinskoff, m'a prêt pour me dénoncer, quel que soit collègue du groupe majoritaire qui connaît le bras imposé de ministre avec, dans le prochain gouvernement. Donc que le président ait toute l'attitude pour que il fait pour monsieur penser pays. C'était précision, député Alfredo Antoine. Plateforme nationale secteur populaire haïtien, mandé président République là, Jovenel Moïse, pour commencer à entamer processus consultation à président Sénat, chambre députée. Plus divers secteurs en vie nationale là, sous choix un nouveau premier ministre. Responsable plan SPA, professeur Dieudonné Lérisson, fait connaître. Nouveau premier ministre Sadoué, un rassemblé qui prend le travail pour atterrir ensemble programme développement président. Un extrait dans le micro, Sainte-Croix Paki. N'a pas demandé président Jovenel Moïse, sans perdre du temps, pour le rentrer en consultation avec deux présidents, deux branches parlementaires,
honorable sénateur Joseph Lambert, honorable député Gary Bodo, dans l'idée pour choisir un premier ministre qui doit gagner profil ça yo. Un, un premier ministre qui a sensibilité populaire. Deux, un premier ministre qui est un rassembleur, qui donc qui a parlé avec tout secteur dans le pays. Un premier ministre qui est très reconnaît dans le milieu politique là. Quatre, un premier ministre qui a aidé le président Jovenel Moïse à atterrir avec vision que l'était dégagé dans la période campagne. Un premier ministre qui va aider le président Jovenel Moïse mettre campé pressé un programme apaisement social sous tout pays. Dans 146 communes, dans 10 départements, dans 570 sections communales. Toujours sous même dossier, né en conférence spéciale ministère communication mardi 17 juillet, ministre Kilti à communication démissionnaire Joseph Guilherme Sidelva annoncé président République l'a lancé consultation à différents secteurs concernés pour choisir un premier ministre. Plus loin, ministre Kilti à communication démissionnaire a précisé gouvernement démissionnaire a prêté en place jusqu'à ce qu'un autre gouvernement remplace. Il y a un extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Frenel Toussaint. Nous là jusqu'à ce que gagnions l'autre gouvernement qui est placé. Nous connaissons que le président déjà lancé consultation, lancé pour parler avec différents autres entités qui concernaient, y compris le Parlement, mais nous comptons le faire déjà avec l'autre secteur de la société civile, avec partis politiques, communauté internationale, entrepreneurs, dans le secteur privé. Donc, je pense que ça qui passe est regrettable, est extrêmement grave, mais je pense que c'est quitter pour nous quitter le derrière nous, pour nous capables d'avancer ensemble sur de nouvelles bases, et je pense que c'est dans l'esprit ça que le président y est, et même le gouvernement ça qui est démissionnaire là, et c'est dans l'esprit ça que lié. Je ne regrette pas que je fais partie de l'équipe là, dans le sens que nous pas assister à un constat d'échec, nous avons même noté ça. Il ne s'agit pas de constat d'échec contrairement à ça de mon abdi. OK? Et la guerre qui fait dans le pays, le président de la République l'a venu avec une stratégie. Il y a des gens qui sont capables de refuser ou elle, refuser d'accepter, mais qui baillent des résultats, malgré pas de moyens. Et si tu as des moyens, tu es capable d'imaginer ce que tu as fait déjà. Et le président, certainement, a été mobilisé dans le sens pour le délivrer pour la population. Moi-même, je pense que j'aime dire déjà, je m'écris dans le tweet que je fais. Je dis que Haïti, le peuple haïtien, il a une bonne chance. Leur voter Jovenel Moïse, son bonne chance il prend. Mais chance ça, il faut le préserver. Il faut le préserver, chance ça. Parce que pas tout le temps, il a une chance ça. Je suis très sérieux dans ce que je dis là. Et la population a besoin de conserver chance ça qu'il y a avec Jovenel Moïse, qui est vraiment déterminé, qui est capable de porter en pile pour le pays d'Haïti. Je vais comprendre ça. Mais nous souhaitons que tout le monde, bon côté, marche dans la même vision par là. Parce que le président, lui-même, il va dans le bif. Il dit ça. Il n'est pas venu dans le bif avec le monde. Il est là pour le travail avec tout le secteur. Et il va éprouver ça. Et donc, je souhaitais que tout le monde, tout le secteur dans le pays, soit capable de mettre ensemble avec elle pour que nous délivrer pour le peuple haïtien. Bon côté PAL, le président Sénat Joseph Lambert invité président public là Jovenel Moïse voyant lettre officielle pour informer parlement sous démission premier ministre Jacques Guilafontan. Parlementaire a fait connaître l'étendue annonce démission premier ministre là. Toutefois, il souhaitait Sénat joindre lettre confirmation une façon formelle pour respect institution. Un extrait dans micro Colo Elisère avec Moïse Wilbridge. Le Sénat a gagné dans les jours qui viennent pour lui demander directeur général de la police à compte. Pour le directeur général de la police à venir expliquer nation par devant le Sénat de la République, par devant le grand corps, pour lui dire ce qui s'est passé exactement et pourquoi tant de dégâts ont été enregistrés depuis quelques temps. Il y a
tentative que je qualifierais de malsaine, hors contexte, antidémocratique, pour attaquer à l'institution parlementaire et plus particulièrement le Sénat de la République. Nous avons toute campagne qui a orchestré contre le Sénat à travers la presse, à travers, plus particulièrement à travers les réseaux sociaux, moins à travers la presse. Nous avons des monde sous couvert anonymat qui a dit ces salopards au Sénat de la République avec un irrespect total d'abord pour les élus du peuple et en même temps pour l'institution parlementaire, plus particulièrement le Sénat de la République, qui a dit que nous touchons 168 000 dollars américains par mois. Par contre, côté mon sabar avec chiffre ça et qui côté fabriquer chiffre ça. Tout compte fait, je dis à nous t'évaluer moi-même sous ma présidence, faire une mise en garde à toute institution, à tout monde, à tout groupe politique, de quelque nature qu'il puisse être, à quelque camp politique qu'il puisse appartenir, pour nous dire et que le Sénat a prêté un dernier rempart pour la démocratie dans ce pays. Sénat qui gagnait un ensemble d'élus légitimes et constitutionnels là-dedans, nous dit que même nos amis, certains amis de l'intérieur, nos détracteurs, plus particulièrement le sénateur Ricard Pierre, pour nous dire tout, et que nous regrettons infiniment que les ravalés institutions que l'a pas tenu à niveau ça. S'il sentit inconfortable dans l'institution ça, il était qu'à faire un geste qui est plus intéressant toujours pour montrer nation et que lui-même il désapprouvait totalement le Sénat République là, il a purement et simplement démissionné comme sénateur de la République. Je ne pas demander ça, je ne pas pousser le faire ça, mais s'il t'a fait le tout, je crois que c'est un geste héroïque et l'histoire retiendra que Ricard ait fait geste ça à un moment de la durée. L'autre information, sénateur département Sidesla, Joseph Lambert, qui c'est tout président Sénat, voyez jeter déclaration sénateur Carpierre qui t'a accusé sur un dossier détournement fonds. Parlementaire qui t'a expliqué, fait qu'on ait ses conférences, président dans date Saint-Mars passé, qui t'a décidé, faut que président Sénat ait une résidence officielle, même Jean à président pays, à premier ministre. Là. Joseph Lambert dit, c'est dans ce sens ça, bio a été décidé, prenons fonds dans le budget Sénat, qui évalué à plus passer 7 millions gouttes pour enfermer un caille pour président au Sénat. N'a qui tout suivi, un extrait toujours dans le micro Colo Elisère avec Moïse Wilbridge. Sénateur Lambert déclaré, sénateur Ricard Pierre, te dit population hein, pour le descendre, vin bouler Sénat. Sénateur Lambert dit tout, sénateur Ricard Pierre Tado. Vin bay Sénat explication sous génératrice li détourné et puis devant dérobé pour Sénat. Et sénateur Lambert dans conférence li bay hier a tout li dit li ta bon si sénateur Ricard Pierre ta bay démission dans Sénat s'il pas senti la l'aise dans Sénat parce que dans budget Sénat li pas prévoit aucun cob pour louer un caï pour président Sénat pour 8 millions de gourdes. M'a dit la presse président Sénat dans fin janvier si me songe bien té organisé une conférence de presse ici hein côté elle te dit li pa wè pour qui ça gagne paquet parole en pile cap fait pour question d'Elko. Sénateur Ricard Pierre c'est sénateur sud-est c'était membre bureau questeur. Gagné 4 génératrices pour 6 bureaux départementaux qui en construction dans 6 bureaux ça au sud-est gagnon sénateur le mandat a fini lui retirer génératrice par sud-est là parce que c'est 4 sous 6 c'est pas 6 bureaux 6 génératrices c'est 4 bureaux 4 génératrices 6 bureaux nous est pas sud-est là et te gon paquet tolé et c'est sénateur Lambert même qui te vienne fermer tolé ça yo
à partir de conférence de presse sale te faire. À ma grande surprise hier matin, tande sénateur a fait déclaration ça yo. Et moi te vle di l'opinion. Li piti pour dire un sénateur questeur qui t'a géré budget sénat, qui a géré des millions de goudes. Li piti pour dire le volon général. Li piti en pile pour dire le volon général, c'est qui cavonne environ 400 000 goudes. On a géré des milliards pour volon général, c'est qui cavonne 400 000 goudes. M'a dit chaque législature qui passe ici, sénat toujours bail bureau sénateur ou génératrice et yo toujours quitté génératrice ça yo dans bureau sénateur les mandats fini. Bah comment jodi a la parole génératrice ça qui pour un bureau départemental vinn tourner un génératrice qui volait ou génératrice qui détourné. Groupe Croissance nan tête collée à réseau journaliste économique pour un développement durable, REJED, mette bout mardi 17 juillet dans déjeuner information dans intérêt journaliste différents médias zone métropolitaine. Nan. Pendant des journées, participants yo recevoir connaissance sous différents modules qui parlaient sous question budget haïtien et puis question économique. Yo. Formation ça, d'après initiative, yo fait dans l'idée pour travailler la presse, yo, plus d'outils pour informer la population. En plus bien sont ensemble grand décision l'État ak moyen qui disponible pour exécution yo formation ça doit réaliser pour journalistes dans 10 départements pays a yon extrait dans micro Esaïe Aurelius ak Hervé Pierre. Le pas les journalistes qui t'a fait reportage a prend parole dans bouche n'ta capable dire moun k'ap diriger mais simplement faut être capable communiquer faut être capable mieux informer population c'est dans sens ça que REJED chita avec groupe Croissance pour nous faire travail ça et nous d'abord analyser budget que gouvernement gagne attention retirer dans le parlement me dit attention puisque le beaucoup fait réellement pour nous garder les forces et les faiblesses de ce budget et comme il y a parlé de gouvernement d'ouverture en Haïti il est trop facile pour que nous dire ah bon on change mon ça mais changer pour faire quoi donc on a essayé de garder comment que prochain budget pour sortir à partir du nouveau gouvernement que on prend en considération ça que t'es pas bon en dans budget ça d'ailleurs dans une conseiller et président de la République là dit qu'on s'accueille faut changer et direction hein, de biens et services qui est extrêmement élevé pour faire des allocations donc trésor public n'a pas pu tasser l'argent pour financement social yo et ne pas voulu que l'argent reste dans quartier populaire dans zone métropolitaine faut garder l'ensemble du pays côté qui plus misère yo pour diminuer ça n'est capable les pressions migratoires qu'a fait dans le pays donc globalement c'est ça lié nous montrer au ratio comment pour garder jodi à la gauche changement structurel qui fait dans le budget ya. Sous chaque 100 gouttes qui en dans budget que le gouvernement a déposé là 70 absorbés localement international là pour moins que 20% mais les absorbés localement faut nous comprendre très bien impôt indirect dominé impôt direct. Qu'est-ce qu'un impôt indirect là? Ça veut dire une population qui est très pauvre a contribué considérablement dans le budget ça, que ce soit avec taxes pétrolières, que ce soit avec TCA en général. Donc c'est pour nous comprendre que faut que l'argent mon pauvre faut bien gérer lui. Le budget agent qu'on a là son outil qui est assez important pour ne pas dire extrêmement important dans la vie pays dans la vie en pays et nous trouvons que l'important pour journalistes qui c'est communicateurs yo même yo capable d'informer population davantage sous ça qu'a fait sous ça qui gagne dans dedans en dedans outils ça parce que outils agent connaît ces outils ça qu'a aider et qui gagne tout ça gagne comme programme comme projet de développement là-dedans donc nous juge important pour nous même qui dans la presse nous même qu'a bail moun yo information pour gagne pour mieux outiller tête nous pour mieux comprendre ça n'a parlé à parce que l'en comprendre ça n'a parlé à moun qu'a tande nan moun nan qu'a garder nan li même tout li pral pi bien comprendre ça l'a tande ça l'a garder à et là il pral gon l'autre et conséquence son l'autre incident sur société à moun n'a mieux comprendre ça pour le faire donc changement de comportement li passer par information et formation que nous même n'a bailler. N'a quitté Pabo ici n'a fond coup de pied dans département nord-ouest PIA côté office national Miragouane ONM organisé hier mardi 17 juillet dans Kasika Convention Center dans ville Port-de-Paix yon forum avec tout acteur qui concerné par phénomène migratoire activité ça été déroulé sous plusieurs thématiques Marc Edio Sam depuis Port-de-Paix pour plus de détails.
qui ça qui doit faire par rapport à phénomène migratoire là qui a augmenté chaque jour et plus dans dedans pays là, comment ONM a accueilli monde qui déporté yo et puis rapatrié yo, qui rapport ONM doit développer avec partenaires yo, c'est quelque parmi thématiques qui te fait objet de débat yo pendant journée atelier ça sur phénomène migratoire là. Un forum qui rentre dans cadre activité préparatoire grand forum national qui parle gain pour organiser dans capitale pays là dans moment qu'a venir là yo, dans l'idée pour réfléchir sur ban haïtien qui a quitté pays là pas ban et pas paquet d'après Enso Jean-Baptiste qui c'est directeur technique AI dans ONM. Forum Office national de la migration a organisé en prélude à un grand forum qui supposé organisé à Port-au-Prince hôtel Enso 19 et 20 juillet. Forum ça a bien tout acteur qui a évolué dans le domaine migratoire là la capacité là-dedans. Pour discuter des phénomènes migratoires ça qui pas seulement en Haïti mais qui a fait parler de lui dans le monde entier. Soubopal, directeur départemental ministère Affaires sociales à travers la Nord-Ouest Bénédicte Calix lui-même qui était participé dans forum ça croit vraie solution phénomène migratoire là c'est création d'emploi qui c'est une responsabilité l'état haïtien une façon pour permettre jeunes yo surtout rester vivre en dedans pays là d'après directeur départemental là via programme courir la vie nous gagnons un total de 4244 moun que nous assister tous les mois pour Nord-Ouest. Ça, est-ce que li ka vraiment kembe au moun pour empêcher moun nan pati? Je pense que l'État a supposé gagner l'autre bagaille, c'est création d'emploi. Donc tout temps moun yo pa ka jwenn un côté pour y a travail, pour y a faire l'argent, y a toujours gain problème pour y quitter pays. Numéro 1 mas la nan Nord-Ouest déplorer le fait que département Nord-Ouest là chargé à potentialité qui capable créer emploi, mais malheureusement l'État haïtien pas mettez en valeur. Depuis c'était Capra la mort, Port de Paix, Marc Eddy Osam, Antenne Télévision l'État. Président République la Jovenel Moïse a commencé consultation sur le choix prochain premier ministre pays. Chef l'État Chita Bale mardi 17 juillet avec président de branche parlement sur le choix nouveau premier ministre. Personnalité qui doit venir prochain premier ministre pays a doit gain capacité pour rassembler et affronter réalité pays a ses recommandations ancien premier ministre Evans Paul. Sous initiative groupe croissance avec réseau journaliste économique pour un développement durable, deux journées formation organisées dans l'intérêt journaliste différents médias sous façon yo doit comprendre budget république là. Voilà, journal l'arrivé dans Boutli. Un gros merci à tout le monde qui t'a suivi journal ça. Nous invitons à rester branché pour suivre cette programmation. Bon après-midi tout le monde.